Nous sommes en France en 1572. Bien qu'il croie au même Dieu, le barbu sur sa croix, catholiques et protestants se chamaillent depuis 1517 pour savoir qui lit la Bible le mieux. Si au début ça reste une bataille de l'esprit et du verbe, le conflit tourne rapidement en guerre mortelle entre les deux camps. Malin, le très catholique roi de France, profite du mariage de sa sœur avec un chef protestant pour organiser l'assassinat des dirigeants protestants venus à Paris pour la fête. Dans la nuit du 24 août 1572, les catholiques se mettent une croix blanche sur leurs vêtements pour se reconnaître dans le noir et sortent armés jusqu'aux dents. Les cloches sonnent, le zèle populaire dépasse les petites ambitions royales et un bon gros massacre s'organise. Le grand chef protestant Gaspard de Coligny, conseiller du roi, est tué chez lui, défenestré, décapité et castré par la foule. Les protestants sont sortis de leur maison, hommes, femmes et enfants sont tués, déshabillés et jetés dans la Seine. La floraison inhabituelle d'un buisson d'aubépine dans un cimetière parisien au petit matin est considérée par les catholiques comme le signe que Dieu approuve le massacre. Youpi! Il continue donc pendant plusieurs jours et le massacre s'étend à d'autres villes. Le corps de Gaspard de Coligny, mis à tremper pendant 3 jours dans la Seine, est pendu par les pieds aux portes de la capitale. Le massacre fait environ 3000 morts à Paris, 10 000 dans toute la France. À bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité.